on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, bah, sans surprise, on continue encore et toujours nos travaux. Donc cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'escalier. Alors, au départ, je vous avais dit, on va mettre de la moquette dans tout l'escalier, mais au final, avec Anthony, on a réfléchi, on voudrait mettre de la moquette, toujours, mais que, enfin, qu'au milieu, en fait, vous voyez, faire comme un chemin. Donc du coup, pour ça, on n'a pas le choix, il faut qu'on peigne tout l'escalier en blanc. On n'a pas le choix, parce que les côtés, on les verra. Et on va pas faire que les côtés, enfin, tout... Non, il faut qu'on fasse tout l'escalier en blanc, donc pour ça... C'était pas prévu, mais au final, c'est voilà, on va devoir faire ça en plus, mais c'est pas trop grave. Il va devoir, Anthony, poncer l'escalier. Enfin, d'abord le nettoyer, le poncer, et ensuite, il va le peindre. Alors, beaucoup en commentaire m'avaient dit, parce qu'au départ, vous saviez pas trop ce qu'on allait faire avec l'escalier. Donc, j'avais eu plein de conseils. On m'avait dit, tu peux peindre une marche sur deux, comme ça, les enfants, ils peuvent quand même monter en faisant attention. Bon, ça me fait peur quand même, parce que les enfants, faire attention... Bon, des fois, ils font attention, mais parfois, on oublie, même nous, de toute façon, pas forcément que les enfants, on peut oublier. Oh, mince il y avait la peinture quoi. Encore les rambardes, on arrivait à pas trop se tenir et tout. Mais là, sur le sol, ça va être un peu plus compliqué. Enfin bon, donc là, ça va être le gros chantier qui va commencer dans les escaliers. Vraiment les marches, tout va être repeint en blanc au final. Et aussi, on a une date pour l'électricien. On est trop trop content. Anthony, avant d'aller au travail ce matin, il a appelé l'électricien. Je lui ai dit appel pour savoir parce que je savais pas du tout. Enfin, il nous a dit si vous voulez début juillet. Mais on aimerait bien nous savoir. Avoir la date exacte par rapport aux vacances, tout ça, qu'on puisse vraiment booker ça. Normalement, enfin, on voulait booker les vacances aujourd'hui pour être sûr, vous savez, garantir le prix, etc. Parce que des fois, il suffit d'une semaine pour que le prix, il prenne 200-300 € en plus. Et on voudrait pas trop tarder, voilà, pour réserver. Et donc, Anthony a appelé ce matin l'électricien et il nous a dit 1er juillet. Donc on est ravis, ça veut dire que c'est en gros bah, la semaine prochaine, on n'aura plus tous les câbles qui pendent, c'est là de plus en plus, je les supporte plus ces câbles là, pour aller au frigo je me les prends, j'ai les cheveux qui s'en mêlent dedans, pour aller à la machine à laver, bah, franchement c'est la cata, on se prend dedans. Elle est prête pour les vacances, elle est prête, elle a un petit short, je vous montrerai mieux tout à l'heure, mais elle va être bien comme ça. Par contre, elle n'arrête pas de se faire mal, donc je sais pas comment elle fait. Tous les jours, elle a une petite marque différente. Alors, soit c'est une marque de griffure, soit c'est, je sais pas comment elle fait avec les jouets. Mais voilà, ça commence. Allez, c'est parti. Il faut absolument que je trouve de quoi m'organiser pour... la cuisine pour les 4 tiroirs bah, sous l'escalier. Oh maman! Oh maman! Donc là, je pense que je vais prendre ça pour les enfants pour manger dans le jardin. C'est parfait vu qu'on est en camping en ce moment avec la cuisine et peut-être des petits couverts. En plus, c'est en promo cette semaine, regardez 99 centimes. Il y a aussi des petits bols pour mettre des petites chips, tout ça. Donc, ouais, je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Et Anthony, je vous montre, il a pris un petit mug comme ça pour mettre son café quand il n'a pas le temps. Des fois, il part précipitamment. Comme ça, il aura son petit café. Ça coûte pas cher, ça coûte 99 centimes. Il y a plein de couleurs. Il y a même du rose, tiens. Comme ça. Bon, regardez, je viens de prendre ça. Elle est en train de les remettre, la dame. Donc, c'est merveilleux. Parce que ça va partir super vite. Je les avais achetés en blanc dans l'autre maison. Et ça sert vraiment beaucoup. Mais il n'y a que deux étages. Non, c'est bon, c'est comme ça. Deux étages, plus en bas. Ok, c'est parfait. Et je les prends avant qu'il n'y en ait plus. Du coup, 3,29 seulement. J'ai pris ces organiseurs-là pour placard. Donc, enfin, il fallait vraiment que je les prenne là parce que je sais que dans peu de temps, il n'y en aura plus. Comme les rangements pour épices, j'aurais dû les prendre au final puisque bah, c'est pour mettre ici. Vous voyez, c'est pour mettre là. Et il m'en fallait plusieurs. Donc là, je sais pas trop comment je vais faire, je vais attendre qu'ils en remettent parce que ça valait vraiment le coup. Ça m'évitera d'avoir mes épices comme ça en fait. Donc j'en ai pris 4 pour mettre toutes les assiettes, peut-être les bols, enfin voilà, ce genre de choses. Ensuite, j'ai pris des crayons comme ça. Ça, j'aime beaucoup ces couleurs-là pastel. Donc je vous ai montré, Anthony a pris ceci pour son café, pour les enfants, enfin pour tout le monde, quand on mange dans le jardin ou quand on fera des petits pique-niques. Ça sera parfait là, des choses en plastique. J'ai pris des petites chaussettes comme ceci, les petits bols, les petits gobelets, les petites assiettes et un organiseur comme ça pour mettre dans un des tiroirs, ici un des 4,
pour pouvoir mettre à l'intérieur la nourriture, mais je vous montrerai une vidéo spéciale prochainement avec l'organisation. Je vais essayer de faire un jour sur deux là au niveau des vidéos ménage, comme ça je ne délaisserai personne, on va dire. Donc voilà pour ça. Donc là on va préparer à manger comme hier, je vais faire des petites grillades comme hier, voilà, dans le jardin. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Anthony était en train de bosser et moi pareil, enfin j'étais sur mes vidéos, j'ai des vidéos à faire en avance. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que cette semaine, vous allez avoir beaucoup de vidéos ménage et organisation sur l'autre chaîne. Je vous abandonne pas ici non plus, vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos ici aussi, mais un petit peu moins, parce que je peux pas faire autant sur l'une que sur l'autre. J'aimerais beaucoup, mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible pour l'instant, en tout cas, avec les travaux et tout, il y a trop de choses à gérer. Donc je vous retrouverai ici aussi, normalement, 4 fois. Et de l'autre côté, j'essaierai de vous faire tous les jours, voilà, une vidéo ménage organisation, parce que vous avez été nombreux hier à me dire que ça vous manquait, que c'était dommage d'avoir laissé, d'avoir abandonné la chaîne, etc. Donc je vous comprends, et moi aussi ça m'embête de la laisser comme ça en voilà à l'abandon, alors que j'adore mon autre chaîne, elle est voilà, enfin j'aime trop. Donc demain on y va, on se remotive. En plus il y a du soleil, donc franchement ça y fait aussi beaucoup. Là on est sur le parking de Jardiland, parce qu'hier on a acheté des plantes pour la haie, mais on savait pas trop combien en prendre. Ça c'est nous, on ne sait jamais combien prendre de haies, de choses comme ça. Et aussi il y avait quasiment plus de, vous savez, les fleurs roses qu'on a acheté, la sauge. Et la dame nous a dit que vous allez en remettre aujourd'hui. Elle vient de se réveiller de sa sieste. Elle avait chaud, alors que pourtant elle était juste comme ça. Donc bon, sinon elle aurait dormi encore, mais ça promet ça. Comment tu vas faire, Moumoun? Dormir qu'en body. Moumoun? Oh, qu'est-ce que t'es belle comme ça avec ton short. On vous reprend bien plus tard. C'est fou cette chaleur aujourd'hui, c'est incroyable. On va pas se plaindre, hein. Franchement, vu le temps qu'on avait juste avant. On est passé dans l'autre maison pour s'occuper un peu du jardin. Enfin, on a quasiment... à la base, on n'y allait pas pour ça. On allait récupérer une ponceuse pour Anthony. Mais le problème, c'est qu'en allant dans le jardin, on s'est rendu compte que toutes nos plantes, en fait, elles avaient énormément poussé avec l'eau qu'il y a eu. C'est impressionnant. On n'a pas reconnu le jardin, franchement c'était la jungle. Donc on a commencé à tailler un petit peu, mais on n'avait pas de sac, on n'avait rien, donc on a fait comme on a pu. Je me suis griffée de partout, on a fait ça vraiment, voilà quoi. Donc demain on y retournera pour enlever en fait toutes les, comment dire, pour enlever toutes les, tout ce qu'on a coupé en fait aujourd'hui. Inès elle a super chaud. Bon là ça va mieux, elle est en bas, mais dans sa chambre là-haut, enfin là-haut il fait chaud. En bas ça va, donc du coup je la garde avec moi en bas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc on va s'occuper du jardin, c'est incroyable à quel point ça a poussé. Là Anthony il continue, cette fois il est ici, là il est en train de finir la haie, puisqu'on a acheté tout à l'heure, je vous ai montré encore des fautignards. On en a pris 4, normalement ça doit être bon, mais on n'est pas sûr. Enfin il a calculé comme ça un petit peu vite fait, et comme il faut quand même laisser un espace, parce que ça s'étend beaucoup. Quand on a fait l'autre jardin dans l'autre maison, on n'avait pas du tout d'expérience, si vous voulez, donc on a vraiment beaucoup rapproché nos plantes. Vraiment, c'était très très rapproché, et du coup, parce qu'on s'est dit, il faut que ce soit bien touffu, vous voyez, que ça fasse vraiment occultant. C'est trop envahissant, si vous voulez, on les a tellement trop serrées, les plantes, qu'elles elles se chevauchent carrément. Donc là, on ne fera pas la même erreur, on va bien les, comment dire, on va bien les espacer dès le départ.
Donc normalement là il n'y aura pas de problème et on va beaucoup moins charger. Franchement dans le jardin je crois qu'on mettra quasiment pas de plantes derrière. On mettra, on fera la haie si vous voulez, mais on mettra pas à l'intérieur en plus de massifs ou de choses comme ça parce que ça mange trop en fait le terrain. Et après c'est galère en plus à entretenir. Enfin avec les enfants c'est compliqué, ils peuvent pas jouer comme ils veulent. Donc voilà, on apprend de ses erreurs on va dire. Voilà. Donc là ça va être l'heure du biberon pour Inès. Et ça va être l'heure de quoi d'autre, du goûter pour tout le monde en fait. Enfin là c'est pas tout à fait l'heure des enfants presque. Donc je vais aller les chercher tranquillou.